Qu'est-ce que tu fais? Ah ben, j'étais juste venue poser tes affaires dans ton placard. Mais je sais pas, j'ai dû m'assoupir. Ça a été ta journée? Ouais, bien, bien. Et j'ai trouvé un nouveau magazine, il y a un article super, tu veux que je te le lise? Oh ben, vas-y. Ah, c'est là. Le problème de la mesure est un obstacle scientifique pour l'instant très étrange et complexe, car il remet en question le fondement même de la réalité. En effet, cette théorie expliquerait que les atomes sont à la base des paquets d'ondes qui flottent dans l'air et qui se mettent à exister seulement quand on les regarde. En effet, nous n'avons aucune idée de l'existence d'un objet si nous ne le voyons pas, même si on sait qu'il est derrière nous. Sa réalité n'est pas avérée. Certains scientifiques sont allés plus loin dans la théorie, en émettant l'hypothèse d'une création de la réalité entièrement humaine. Par là, il faut entendre que les objets existent seulement dans l'idée que l'on a d'eux. En d'autres termes, nous pourrions être les maîtres complets de nos univers et créer la réalité comme nous le désirons. C'est cool, hein? Moi, tu sais, les trucs fantastiques, hein? C'est pas fantastique, maman. C'est scientifique. Bon, sûrement, oui. Alors, plus concrètement, ton frère vient dîner ce soir. Ok, c'est cool. Du coup, ils ont été obligés de le virer. Bah alors, apparemment, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Non, papa. Avec la clientèle, on n'a pas le droit à l'erreur, non. Et un apprenti, c'est pas censé être là pour apprendre? Si, mais il y a des choses qu'on peut pas accepter. Peut-être que personne n'avait dit à ce type qu'il y avait des forfaits plus adaptés à ses besoins, c'est tout. Bah écoute, à la limite, il aurait dû comprendre lui-même. C'est un de nos plus gros adhérents. Puis tu verras, quand tu travailleras plus tard, t'auras pas le droit à l'erreur, surtout si tu travailles dans la recherche scientifique. Je te ferais dire que la science, elle a avancé aussi grâce aux erreurs. Oui, à l'époque de Galilée, peut-être. Mais maintenant, c'est différent. Faut pas croire que tout va se passer comme tu le souhaites dans la vie. Des choses t'échapperont. C'est bien vrai. Il y aura pas toujours quelqu'un pour t'aider. Et qui plus est... Gaël n'a pas forcément tort. S'il est respectueux, les gens reviendront plus facilement vers lui. Maman, ça va toujours comme ça. Toi, la première... Je sais comment ça marche. Il faut savoir s'adapter malgré nos propres croyances et les obstacles qu'on rencontre. Ça va pas tous les jours bien, mais dans l'ensemble, elle s'en sort. Hmm. Oui, je vous rappelle si jamais j'ai du nouveau. Bonne soirée. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas attraper froid? Allez, viens. J'attends Gaël. Allez, viens, rentre. J'étais si près d'y arriver. Non. Le docteur t'a expliqué que tu as eu des délires. Je sais pas. Je sais plus. Et tu peux dire comment tu m'as retrouvée? Tu peux dire? Tu dis rien parce que tu refuses de voir la vérité.
Tu n'étais pas obligé de nous suivre. Tu peux aller faire un tour dans la galerie si tu veux. J'aime bien faire les courses avec vous. Ça n'a pas l'air mal, ça. Tu veux que je te le prenne? Gaël? Vous avez vu mon fils? Hein? Non. Non. Pas loin. Je sais plus où j'en suis. T'es encore traumatisé par ces événements. T'es disparu quasiment un an. Mais tu vois, ça commence déjà à aller mieux. Tu crois? Heureusement t'es là. C'est normal. Ça risque d'être dur un petit moment encore, mais on y arrivera, ensemble. Tu sais, parfois, je sais que c'est tout à fait réel, et puis d'autres fois, non. Mais je suis perdue. Je sais jamais quel jour on est. Et quand je me réveille le matin, avec Gaël. Je peux prendre le petit déjeuner avec lui. Et tout de suite après le voir disparaître. C'est comme si mon esprit se promenait sans mon accord. Mais la lumière. La lumière, tu l'as vue, toi? Maman? Va-t'en! T'existes!
n'existe pas. Albert! Qu'est-ce que je fous ici? Annie? Annie, je te croyais morte! Viens. Non, pas sans Gaël. Je l'ai vu. Je suis sûre que je peux le faire revenir. Je veux revoir mon fils! Tout de suite! Tu m'entends? Ça fait un an que je fais tout pour qu'il revienne! Où est-ce que tu vas ?